famille, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais tout d'abord m'excuser, car presque 2 mois sans vidéo sur la chaîne. Les aléas de la vie quotidienne ont fait que je n'avais pas trop le moral, donc bien trop compliqué à monter des vidéos. Je m'excuse encore, mais ça va mieux, donc on va repartir de plus belle, car il me reste quand même pas mal de contenu à vous partager. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le week-end du 20 et 21 avril se déroulera la 2e édition du Salon Sud Tradition, au cœur de la Manade de l'Étrier, à Saint-Gilles, dans le Gard. Venez-y nombreux. Donc aujourd'hui, 5e vidéo de la saison, mais un peu spéciale, car c'est tout simplement la 100e vidéo sur ma chaîne YouTube. Que de chemin parcouru ensemble. Au programme, sanglier, chevreuil et même lièvre, tiens tiens, une première sur ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images en espérant que ce contenu vous plaise. Je vous souhaite un bon visionnage à tous les amis et à bientôt, la bise. On se retrouve au poste avec mon père, les chiennes du président viennent de lever un chevreuil. J'ai tué une cabre. Elle est morte. Elle est morte. Un chevrier. Eh oui. Allez, lève-toi. Appelle-le. Lève-toi. Allez. Mon père loupe ce jeune brocard de 18 kilos à sa première balle, mais le rattrape bien à la seconde balle, juste au-dessus de l'épaule. On se retrouve quelques minutes plus tard après que mon père ait prélevé ce jeune brocard. Les chiennes se mettent aux fermes. Attention père, attention père! Je ne vous mettrai pas le ralenti sur cette action car on voit très peu le sanglier passer à une cinquantaine de mètres au-dessus de moi. Non, 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 je l'ai tiré trop haut, là-haut, il passe entre moi et le père. Attends, ils l'ont perdu, les chiens, ils reviennent, là.
Nouvelle battue, nouvelle journée. On se retrouve au poste avec moi et les chiennes du président qui se mettent aux fermes. Attention Marc, je les vois les cochons, attention! Le collègue arrive à prélever 2 sangliers sur 4 et une dizaine de minutes après, quelque chose arrive sur moi. Je placerai une balle sans difficulté au défaut de l'épaule de ce petit mâle de 20 kg. On se retrouve au poste avec mon père. Une fois n'est pas coutume pour cette saison, les chiens du président lèvent un sanglier qui se dirige vers lui. Mon père loupera ce sanglier à sa première balle. Comme on peut le constater sur la vidéo, le coup de mon père ne part pas. Effectivement, dû à des soucis de santé, mon père a une perte de la sensibilité de l'index. Le sanglier refuse de sortir sur le dry, fait demi-tour et mon père arrive à le rattraper en lui mettant une balle sur le flanc côté gauche. Voilà les amis, pour moi ce qui reste le plus beau moment à la chasse en battue au sanglier, c'est l'arrivée des chiens sur l'animal prélevé. Thank you.
Ne me mens pas. Ne me mens pas. Sale, ne me mens pas. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Allez, allez, allez. Doucement, doucement. Allez. Allez. Déjà qu'il n'est pas gros. N'est-ce qu'il n'est pas. Allez. 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 Doucement. Allez. Nice. On se retrouve au cœur de la traque avec moi-même pour la dernière action de cette vidéo. Mes chiennes lèvent quelque chose. La suite en image. Attention, Yannick, là-bas au rasque. Ça a l'air d'être une saloperie, je sais pas. Hein. Attention Gaïtan derrière, ça repart au Bergogne. Hein. C'est un lièvre, putain. Je pourrais le tirer. On peut s'apercevoir que mes quatre chiennes restent aux ordres. On arrête! Je l'ai dit que c'est un lièvre, il m'a passé à 2 mètres. Je viens de les arrêter, j'en ai raté 4 là, sur 6.